You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. De retour après un TVZ. Ouais, putain, les games étaient longues, tendues. J'ai vu, la dernière game était très très difficile à identifier. Enfin, d'identifier qui allait s'imposer dans cette game. C'était tellement tendu. En fait, j'ai rien compris. À chaque fois, je mettais le Zerg devant. Et, et au moment où il passe. Et en fait, c'est le Terran qui prend le lead. Et au moment où je pense que le Terran est devant, c'est le Zerg qui gagne. Genre, j'ai rien pifié à la game. C'est trop bizarre. Mais c'était trop bon. Ouais. Grosse bataille et on espère avoir un rematch qualitatif. Biel contre Stad, ça fait 2-1 dans le premier run. Le match était assez bizarre. On a eu une grosse macro game de ouf. Ouais, et les deux autres c'était all-in. Beburst. Ouais, Biel, que vous voyez à l'image en Zerg qui a souhaité jouer très agressif contre Stad. Et souvent ça payait. Partiellement ou totalement, parce que Stat retarde énormément son Mothership Core. Il peut être très greedy dans sa tech. Ouais. Et c'est quelque chose que Biel avait vraiment identifié. C'est ça, c'était assez. Alors, on voit que c'est pas les mêmes maps, hein, Biel, à la partie précédente qui avait pris Whirlwind. D'ailleurs, Nuker Precinct, c'est Stat qui l'avait pris en map 1. Et cette fois, c'est Biel qui le prend. Regarde. Donc, je vous laisse analyser ça. Et regarde ce qu'il veto l'autre. Les cartes à grand wall, genre celui de Daybreak, il est impossible. Et Whirlwind, c'est la merde aussi. Up 4 slots. Il veto les cartes où les walls sont les plus compliqués. La question c'est, est-ce qu'on se dit qu'il veto les maps où il peut se faire Bending Bust? Parce que c'est ce qu'il a vécu quoi, contre Biel. Deux fois quand même. Mais il veto Whirlwind, donc on pourrait se dire oui. Mais par exemple, je sais pas, il a pas veto. Comment elle s'appelle la troisième map là, la nouvelle Deathfire? Non, j'ai oublié. Attends, laquelle? La Abyssal Rift. Beef Reef. Reef. Abyssal Rift. Ouais. Ben non, il a pas veto. Maman, tu tac deux veto aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veto pas les deux pires? C'est ça. Donc, on va voir ce que les deux joueurs vont nous réserver. Est-ce que, par exemple, est-ce que Stad va se montrer plus safe? Est-ce qu'il va jouer plus safe? Tu vois, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Quand est-ce qu'il fait son Mothership Core? Est-ce qu'il adapte son style de jeu à Biel? Est-ce que Biel, quant à lui, continue de jouer aussi agressif et part sur un 12 pool? Je ne sais pas, comme dans cette game. En bas à droite, Biel! Donc Biel 12 pool. Hein. Un rush ici. Le mec est agressif hein, dans tous les match-up. Oh, il se calme! Oh mon dieu! À droite! Un homme qui met le pilote dans le wall, il s'agit de Stat. Et en fait, ce qui est fou là, c'est que Biel savait que Stat allait gate dans le wall. La loge, et Stat la moule. Scoot sur une map à 4 spots. Allez. En premier, eh bien, la bonne position. Il voit que la poule est late. Le Kinoob. Après, non, après en fait, il l'a envoyé au moment où tu mettrais base. Après, voilà exactement ce que j'allais dire. Hein, et le deuxième drone n'est pas à Dodin là. Ah. Parce que le deuxième drone, deny la montée de la probe. Hein. Deuxième, premier. Donc en fait, faut bien être clair que Stat peut penser que c'est 15 poules. Le menteur. Attention. Hein. Ah, le menteur. On peut penser que c'est 15 poules gaz. Ouais. Alors que là, c'est. Oh, il met deux pylônes, il a rien compris. Il a pas compris. Il a rien compris. Et le bluff de Biel vient de passer. Donc là, faut vraiment voir la technicité du move de Biel. Alors, c'est ultra technique. Tu mets sur ton truc. Maintenant, ça te mobilise deux de tes 14 drones. Et c'est pas encore passé. C'est pas encore passé parce que là, tu voles avec deux bâtiments, je pense. D'ailleurs, je pense que ça ne passera jamais. En fait, c'est nul. Malgré le brain est passé. Hein. Mais
pour moi, t'aurais dû garder les Zerglings à la maison pour clear les pylônes. Enfin, je veux dire, là, ça passe jamais, on est d'accord. Hein. Ah non, non. Pylônes, zilotes, etc. T'es... C'est fini. Tu peux essayer de taper le bâtiment, mais... Ah, sauf si on se foire. Alors, mais là, ça va, il gère les Zerglings. Bon. Ouais, peut-être un pylône. Zilote. Ici. J'allais le faire sortir ici. Il est tellement ouf. Il y a 13 drones contre 21 probes. Donc là, il peut pas B2B3. Le Nexus est pas encore lancé, mais en fait là peut-être l'erreur de jugement de Bulle, c'est de se dire j'ai été scouté, ça sert à rien d'attaquer, je cut les Zerglings. Parce que scouter sur cette map, ça veut dire waller en fait. Quand ouais. Tu peux waller avec deux bâtiments et oh la micro. Un zilote. Aïe, aïe, aïe. Le zilote va tomber quand même. Normalement. Ah Oh là là, quand même, il reste plus que deux lignes. Ouais. Là, tu fermes le wall, tu gères les deux lignes avec les probes. Donc là, on a un Zerg qui est derrière, hein, qui est derrière. Il a pas de gaz, il a pas de speedling en face. Le Wargate est déjà à un quart. Non, tout était misé sur le fait de se faire scouter en deuxième ou en troisième. Et il s'est fait scouter en premier. Donc faut voir quand même le manque de réussite de Biol dans cette game. Okay. Mais il prend des gumballs de ouf sur les build order. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est caractéristique de son style de jeu. Bon, moi quand je disais que j'aimais ce joueur et qu'il va prendre de lui de ses build order, je parlais pas de ça. Hein. Le côté random, les paris. Ah non. Mais ce qui est ouf, c'est que la plupart des poules douces qu'on voit en GSL, ils échouent, mais de manière lamentable. Mais sinon, les protoss, ils abusent beaucoup trop. Là, il va bourrer. Stade va bourrer. Il n'y a pas de robot. Et c'est justement la semaine dernière non, que ouais. Curious, il fait 12 poules justement contre SOS, et puis il arrive, il tue pas un truc quoi. Là, ça va être dur de gérer les adeptes qui sont en route pour Biol. Ouais. Il va devoir défendre. Il n'a pas l'info non plus. Hein. Pour l'instant, franchement, t'es Bulle, tu vois ça. Tu peux penser que c'est. C'est Warprism à fond d'été. Yes. Donc, c'est une situation dure à lire. Il lance des drones. Alors que là, s'il avait bien lu la situation, il lancerait des queens, je pense. C'est sa meilleure alternative pour gérer les adeptes qui arrivent. Bon! Comment est-ce que tu fais? Allez, on balance de l'adepte. On y va en mode YOLO. 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 Ok, Roach Warren. Défensif pour Biol. Biol qui tourne sur un gaz depuis tout à l'heure, qui fait beaucoup de rings. Il a compris qu'il était en train de se faire attaquer. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de troupes? Il n'a pas de creep ici. Entre les deux bases. Parce que, on se rappelle, hein, les Shades vont faire ça. Les Queens vont faire. Attends. Attends, je suis en train de tuer au bord de la route. Attends, j'avance. Voilà, et bah c'est exactement ce qui va se passer là. Ah non, ok, il a pas Shaydin. Balek. Il a eu peur des slowlings. Non, mais t'as sûr qu'il se passe. Hein. Ah. Attention. T'as sûr il est obligé de se. Non ouais. Okay. Oh là là, les slowlings. Petit slip. Petit slip de la part de Stat qui ne Shaydin pas. Et là, on voit les drones qui. Ton Biol qui a 33 drones, il fait des roaches. Et qu'est-ce qu'il fait avec des roaches? Eh ben, il va bourrer, il va counter all-in. Donc oh là. Oh là là, il n'y a pas le choix. Et il va être scouté. Oui. Ah. Oui. Oh, il a pas de bol. Il a pas de bol parce qu'on rappelle que la Shade n'a pas de vision. Hein, ouais. Donc en fait, si ce truc-là ne faisait pas Shade in. Il voyait pas les roaches sortir en fait. Ouais. Enfin, il avait pas toute l'info. Là, il a l'info. Donc là, on cut les probes chez le Protoss, on rajoute des gates, on fait des sentries. Là, eh bien, Stat a compris. Après, le positionnement des bâtiments, là, peut être abusé par les roaches. Ah mais ouais, tu le wall et derrière, tu fais 50 drones. Le pylône ne peut pas défendre. Ouais. Donc, franchement, c'est... Bon, sur le papier, je dirais que Biol ne passera pas. Mais là, tu vois, les roaches et un cyber, ça coûte cher au Protoss. Hein. Voilà. Bah voilà. Bah voilà en fait comment tu défends ça. Mmh. Bon tu diras, le Mothership Core déjà il commence à bien gérer l'armée. Allez le cyber. Allez Biol. Putain. Un petit truc quand même. Il y a l'envoi derrière hein, qui va être emmerdante mais déjà ça ouais. Quelque chose. Le cyber a été relancé. Et donc là on peut warper que des zilotes.
roi. Ah, hein, c'est pas suffisant, je pense. Malheureusement, le moment est trop relou. Ouais, le moment est trop relou. Et je te cache pas que j'aurais bien vu. Si tu tentes débile dessus, le mec va les esquiver. Tu peux t'en ragâcher. Ouais, ce trade ok pour le Zerg. Pas suffisamment bien. Les Zerg, Zerling. Allez, allez. Ouais, peut-être. Le miracle. Bioul. Le miracle, là, c'est maintenant, il faut faire un miracle avec Nimo. Non, charge photonique sur ce pylône. Très très bon effet de la part de Stats. Oh, il a tellement tout bouffé. Ah, il a trôné derrière, Bioul. Mais. Il fait comme un bon deal. Hein. Il s'en sort, il a tué la B3. Il a réussi à droner. Est-ce qu'il drone pas trop? Il est même devant au niveau de la pop. Comment il a fait et, en fait? Et il a clear les sentries. Aussi. Hein. C'est-à-dire que. Il sait que dans l'armée adverse, là, les unités de valeur, c'est surtout l'IMO qui vient de sortir et un Mothership Core. C'est pas catastrophique pour Bioul, en fait, qui n'a pas tué, mais qui a été suffisamment cost-effectif ici. Oui, oui, oui. Et qui est... 4 over. S'il est pas devant, tout court. Genre, il lance son upgrade, donc il paye un truc. Il a ses 3 bases saturées au vu de l'avancement de la game. Il lance le speedroach, il y a des ravageurs. Genre, pas beaucoup, mais moi, il me sent bien. Ouais, là, peut-être un peu trop. Le meilleur truc que tu puisses faire, c'est... Juste l'eau, il avait pas un over. Non, il a pas d'over au nord. Si tu fais un drop de 8 lignes là dans la main, ah ouais, c'est en clair. Contre-attaque. Ouais, ouais, ça, quand tu sais que les unités adverses c'est ça, c'est tellement lent. C'est peut-être les unités, les protos les plus lentes en fait. Du coup, eh bien, un drop de Zergling peut vraiment être efficace. Et il est même. Et il rebourre. On, il a raison. On stack à 61 drones et on rebourre. Il refait, faut qu'il refasse la même opération. Et faut bien comprendre que la stat, il s'est fait all-in. Il a défendu. Il n'a aucune idée. Alors, attention. Parce que là, il faut pas. Ah, il voit les Zerglings qui sortent des œufs. Ça, c'est vraiment une très très grosse info. Il voit que ce sont des Zerglings qui sortent. Et là, du coup, je sais pas si t'attaques. Hein. Je sais pas si t'attaques, si tu es stat, si tu as l'intuition que nous avons eue. Je ne sais pas si tu attaques. Je suis pas sûr. Voilà. Non, là, tu rentres chez toi. Non. Même avec une fournée d'adeptes. Tu peux pas le carotte avec un prisme, genre. Ah. Tu prends les sentries. Non. C'est là. Ah, peut-être. Je sais pas, c'est pas risqué, il y a quand même deux immo. Tu sais, t'as, après, t'as le shade in sentry ici. Tu te rappelles? Oh, s'il y a pas. Ah, les champions, ils sont trop bons. Ouais. Ça bloque. À mon avis. Il y a beaucoup de lignes, hein. Et les adeptes font. Je suis pas sûr là en fait. Je sais pas si le proto se passe, hein. Ouais, quoique, les trois immo qui font la différence, ça peut passer. Ça peut passer. Ça, c'est vraiment hardcore en fait, y'a pas de quoi éclater les adeptes rapidement. Les Zerglings qui se font broyer. Oh oui, on a accepté les adeptes qui sont suffisamment loin pour pouvoir faire demi-tour. Avec un shedback. Ouais, ici y'a toute cette armée, il prend super cher. Bioul qui prend super cher avec tous ses adeptes. Oh, il revient, il arrive à lui isoler la population. Et là, il le broie. C'est broyage. Oh, au stade qui réussit à passer. C'est chaud, les immortels maintenant qui sont c'est, au corps à corps. C'est les immo qui font toute la différence ouais, il y en a là. 3. Il y en a 3. Regarde le DPS sur les roaches. Mais c'était assez surprenant. Et why not? Ouais, c'est vraiment les amicaux des sentries, les immo là qui ont fait énormément de dégâts, je pense. 13 kills sur cette immo, 6 kills. GG! Et Stat qui, après un scout un petit peu successful en début de partie de sa propre, du rush de son adversaire, qui tient, qui défend et qui réussit à prendre le meilleur sur Bioul. C'est la musique de StarCraft ça? Non, non. Elle est assez bizarre. Mais. Tu nous as mis de la musique? Ah, stylé, j'aime bien. T'as le gros bruit. Tu sais, ça fait le gros bruit métal et puis t'as un mec qui est là au sort des. Au xylophone, tu sais. Ah, j'aime bien. Mais on a le droit de mettre ça. On va pas se faire pourrir par Twitch ou YouTube. Y'a plus de droit. Dans le métal, on respecte rien. Ok, bonne mentalité. Bon, je discute avec Alice là. Oh là là, bon. Là, tu vas kiffer la prochaine game. Je peux te montrer un truc. Spoiler alert. Et en bas à droite,
ici pour la série. And the first up. Yo. Bien. Buell qui s'est incliné sur la précédente manche et qui repart sur un 12 poules. Et bien face à cet homme en bas à gauche. Stat. Alors Stat, il faut noter que déjà est-ce qu'il va scooter? Ouais, il va scooter à la gate, je pense. Ouais. Donc il va scooter à la gate, ça peut se comprendre. Bon, franchement. Et, ouais. Sur à quoi il pensait? Après tu me diras. Là, Stat va avoir l'info du 12 pool assez rapidement. Mais contrairement à la map précédente, où il suffisait de deux gros bâtiments et d'un zélote pour bloquer, là il faut 3. Je me demande si 3 gros bâtiments et un zélote ça suffit. Je pense même qu'il faut un pylône. Un deuxième pylône. Ça, c'est, en diagonale, ouais. C'est une galère à waller. Là tu mets le cyber, mais là, gate et zélote, je suis pas sûr que ça suffise. Faut vraiment voir. Hein. Et alors, j'ai arrêté de discriminer le pool 12 au vu de ce qu'il a fait tout à l'heure. Maintenant, t'es sur une carte où t'as une rampe. C'est pas évident de dégrader. Ouais. Oh, il l'a cramé. Il a cramé. Donc, bah justement, on va voir. Non, il faut un pylône. Hein. Donc, pylône, gate, zilote. C'est. On voit, je dis pas qu'il va pas tenir, mais on voit que c'est beaucoup plus cher. C'est nettement plus cher. On voit d'ailleurs que Buell relance les drones. Donc, en gros, il est. Ah, mais 10 Erglings. Ouais. Bah, tu me diras, 10 Erglings, ça peut faire le DPS suffisant ici pendant un bon bout de temps. Un 10 Erglings, ça deny le zilote. Attention, hein. Comment il fait? Ah, il roule pas pour l'instant. Il prend pas de risque en fait, il laisse venir. Il attend le deuxième zélote. C'est vraiment basé sur la transition, j'ai l'impression. Ça donne cette idée là. Ce que Buell est en train de faire. Allez, on va prendre la faille là. Avant le deuxième zélote. Ah, premier zélote. Premier zélote qui se fait sniper, mais le deuxième qui va permettre de défendre. Bah, ça hold hein. Ça hold complètement en fait. Le mec il espère trop qu'il y ait Nexus First ou. Est-ce que tu peux pas espérer que ce soit toi? Ah, attends le kill sur le zélote. Ouais, le kill sur le zélote. Ah non. Ramène les sons. Ah, mais non, mais il pouvait le tuer là. Non, franchement, il pouvait le tuer le zélote. C'est dommage. La question c'est peut-être est-ce que c'est rentable? Il pense qu'un kill sur une probe, à ce moment-là, ça vaut plus que le kill sur le zélote. Là, c'est sûr qu'il pouvait le tuer. Je pense parce que le zélote, en fait, il t'apporte rien maintenant, ouais. Il t'apportera rien plus tard. Alors que tes 3 lignes, c'est qu'on map contrôle. Okay. Je sais pas, enfin le call est difficile à prendre. Mais là en gros on a vu que on en prend de la graine hein. Il faut pas fermer le wall en fait hein, contre les Erglings. C'est zélote, probe, zélote chrono boosté, premier, deuxième. Et là Buell, eh bien il fait des drones, il a très très peu de troupes. Son agression franchement n'a pas infligé beaucoup de dégâts. Ouais. C'est, tout va être delay, ses drones, son Zergling speed est delay. Avec ce genre de BO. C'est ça. Le Zergling Speed est complètement dans les chaussettes, et ce qui fait que gérer le moindre adepte, bah, tu es obligé de multiplier les lignes, et au lieu d'en avoir à peu près 4 par adepte, tu es obligé d'investir beaucoup plus. Aïe aïe aïe. On va quand même récupérer un. Petite erreur de la part de Stat là-dessus. Il s'y retrouve quand même parce qu'il est par le nombre d'unités qu'il force, mais. Ah, ouais. Là c'est con, fallait cancel la chaîne. Bon, je dis pas que c'était simple, mais. Là, l'oracle se fait gérer l'adepte. Ici, tu sais, tu cancel la shade et tu rajoutes 2 kills. Mais bon, j'imagine qu'il était en train de macro chez lui. Ouais. C'est pas facile. Il veut. Des fois, tu peux aussi tenter le shade in, forcer dans la main pour voir ce qui s'y passe. Ah, aussi. Peut-être c'était avoir un scoot garanti de la main. C'est ça. Ouais, tu sais, quand t'arrives à ce niveau de jeu-là, je pense. Est-ce que tu préfères pas ça plutôt que d'être derrière la ligne de minerai et le mec, il va te pouler drone, il va te construire des bâtiments. Où il peut te les retirer. Peut-être. Tu préfères le sacrifice pour une information que le risque de peut-être pas tuer les drones. Donc là, on a à nouveau Stat qui part sur non pas drop Archon, mais les glaives et une pression adepte. La game précédente, c'était sur 5 gates, je crois. Là, c'est sur 3 gates. Donc c'est vraiment très léger comme pression. Et tu peux défendre en fait full adept avec full speeding, mais t'es obligé d'avoir le grade d'attaque. Et là, on voit qu'elle arrive un petit peu à la bourre à cause du build order. Et il n'y a pas de belle lignette non plus. Par contre, le zélote là, il fait la tronche. C'est le zélote de tout à l'heure. C'est le zélote affaibli de tout à l'heure. Il aurait dû mourir comme ça. Oh là. Wow. Tiens, c'est rentré. Et ça, c'est énorme. Hein.
Le Mothership Core qui arrive à 5 minutes très très tard, c'est son style de jeu. Et ici, les adeptes, il va falloir les défendre avec les Zerglings. Normalement, Buell, ouais, il va falloir être réactif, mais Buell a les armes pour gérer ses adeptes. Les adeptes qui vont back. Bon. Ah, compliqué. Compliqué, 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 compliqué. Je vois pas en fait comment tu... Quand il y a de l'adept, l'un des meilleurs plans c'est toujours d'aller bourrer. Hein. Si le mec, si le proto s'entête un peu sur un tech faible, tu nommes juste Lynx, Ravager, Roach, ça suffit très très bien. Mais le prisme fait partie de ces petits techs déjà. C'est même pas du gros tech, c'est pas de l'immortel, c'est pas de l'aérien, c'est déjà un petit tech qui t'empêche d'aller attaquer de manière sereine. Bon. Ici le Nexus B3 qui va être lancé. Pendant ce temps, on prend l'info avec ça. On voit des Zerglings, des Queens. Il a pas vu les autres Zerglings. Et on a un Buell qui est faible. Pardon. Qui est faible économiquement, qui a pas de gaz sur sa B2, pas de gaz sur sa B3. Et qui bourre en fait, hein. Qui bourre sur tier 1. Bah, ou alors, je comprends pas ces 3 drones en fait. Parce que là. Niveau tech, la tech est tellement absente que tu bourres. C'est ta seule option en fait. Ouais. Il essaie de jouer sur des. C'est même pas une grosse ration de 20 roach. Vraiment, il fait 3 drones parce qu'il est perdu. Est-ce que c'est pas juste pour en avoir. Peut-être, il y en a combien sur une ligne de. Les minerais ? Même pas, il a. Ouais, 11, non, là. si, ça va être. Ah bah non, ici, 11, ouais. Des fois, tu cherches, t'es à 2 gaz. Enfin, tu limites tes gaz, là, tu fais 16. Mais vraiment, encore une fois, un risque énorme qui est pris de la part de Buell. Et Buell qui lance un tir de très très tard, qui montre beaucoup d'unités mais très peu d'économie. Bon. Et ben, ok, t'arrives à un Protoss qui n'a pas besoin de faire grand chose en fait pour se mettre bien. Il laisse nous faire et il n'y a plus qu'à lancer la grosse macro game comme on a eu sur la game 2 de la série précédente. C'est de l'immortel, de l'archonte en plus. Beaucoup. On évite de se faire arnaquer sur les run-by, on fait durer. Alors, on a un autre style de jeu, hein, de la part de Stats, qui va aller chercher... On en parlait d'ailleurs, toi et moi, je crois, quand on a commenté la première game, qui va aller chercher Zero Charge, donc oui. Une autre composition, peut-être un autre style de jeu. Ce qu'il avait proposé sur la map 2, c'était des run-by de Zealot et des fights avec le reste, Archon, Sentry, Immortel. Là, j'imagine qu'il va prendre les fights... De façon différente, peut-être moins de run-by. De toute façon, on est sur une carte où, franchement, à part ici, run-by par ici, tu peux pas vraiment faire de run-by de Zealot. Enfin, non. C'est pas whirlwind quoi. Mais où il va prendre la fight avec les archons et il aura 12-15 Zealot derrière qui attendent que les Bening explosent pour engager. Donc, intéressant de voir que Stat est capable de développer les deux styles de jeu. Je pense qu'il va faire ça. Mais c'est ça, tu. Puis c'est un outil de toute façon qui va toujours te servir dès que tu vas redropper, donc c'est jamais un investissement vain quand tu arrives loin dans la game. Tout à l'heure, d'ailleurs je sais pas ce qu'il aurait fait qu'il aurait. Enfin, qu'il aurait fait déclencher l'ajout de cet upgrade, peut-être qu'il sentait jamais suffisamment en confiance niveau de thune, parce qu'il était un peu en retard, là il a les sous donc il fait sans hésitation. Les Zerg en fait quand ils jouent Lynx Bane. Ravager, principalement, c'est pour taper dans des timings. Et les timings sont liés à le Protoss qui fait des Lead Order ou j'atteins mon 200 de pop parce que j'ai casé mes drones. Là, c'est qu'il s'en sert en tant que composition mid-game parce que c'est le mid-game qui choisit. Mais est-ce que c'est quelque chose de réellement efficace quand la game avance? Mais pas vraiment. Pas vraiment. Et le seul truc qui débloque ce genre de situation, c'est genre un run-by de Bending, un drop de Bending, tuer des lignes de sonde. Donc tu vas faire juste maximum de Bening, espérer que le mec croise son fight en lui mettant de l'économie. C'est comme ça que tu résumes le jeu. Et le Protoss lui il doit se contenter de justement pas perdre ses sondes, prendre des bonnes fights, beaucoup d'archontes de la storm. Alors il y a quelque chose d'important en Zerg, c'est en gros quand tu vois que le prisme est ici, tu sais qu'en principe t'es pas en train de te faire attaquer, ouais. Même si tu vois l'armée Protoss sortir. Parce que. Il peut pas t'attaquer si elle est pas appuyée par un prisme qui warp les adeptes 10 par 10 quoi. Donc en gros, je sais pas si t'as vu, mais Stat s'est montré au milieu de la carte avec une grosse armée quand même, mais son prisme était là. Et du coup,
Buell ne s'est pas du tout senti en danger, a fait des run-by de Zergling. Il savait qu'il n'était pas en train de se faire attaquer, effectivement, Stad à back. Allez, ici, on va avoir un engagement. Et on va chercher la grosse coca. Là, faut pré-split. Il y a Storm. C'est juste avant Storm. Alors, il y a Storm, mais ouais, il y a l'énergie, il y a trois Storm. Oh là là, oh putain. Oh, il a quasiment ouvert dans les Storm. Oh mon dieu. À l'horreur. En fait, j'ai jamais vu une fight se finir aussi vite. Bah, elle a pas commencé, non? Ouais, mais là, mid-life sur tout ce paquet d'unités. Il va se faire réceptionner. Il est obligé de le planquer. Il est obligé d'y aller. Et il va. Oh, et les Zelotes dans les sentries. Ah, ok, il a run by avec les Zelotes aussi. Okay. Intéressant. Mais ici, oh là là, quel massacre. Piol qui n'a pas du tout assez d'unités. Quoique, les Dimolibus. Le Belling. Ouais, c'était. Bah, la fight principale était pas si vilaine que ça, malgré le fait qu'il y ait la Storm. Enfin, pour Biol, mais le run by. GG. Oh la carte. GG. Aïe aïe aïe. Allez, run by. Allez, run by Zelot. Zelot de la puissance et Stab du coup qui avance, qui va rejoindre TY pour ce premier groupe qui, attention, annonce le groupe de samedi. Tchud, groupe de la mort, groupe de la destruction infinie, Dark sous Innovation et Classic réunis au sein d'un même bracket, d'une même journée. 4 des favoris de la compétition. Et on se tapait dessus. Intéressant. Donc ce sera samedi. Yes. Ça sera samedi. Voilà. Demain on fera un petit peu de World Team League. Vendredi on fera le deuxième qualifier Underdog. Donc si vous êtes motivé, venez. Le premier qualifier, on a eu Semper de qualifier. Et on a eu Stefano. Ah, il m'a. Quel retour. Hein. Non, en fait sur Twitter, genre quelques heures avant le qualifier, il me disait ouais, il y a moyen de s'inscrire pour le qualifier et tout. Comment je fais? Et du coup, il le gagne. Classique Stefano. Ah là là. Mais big up, franchement, c'est cool. C'est cool que Stefano ait pris ce qualifier. C'est cool qu'il soit là, dans le game. C'est ça. Donc là, on revoit les résultats de la soirée. Fuel, qui aura montré que, franchement, il n'a pas l'air ultra serein contre Protoss. Il a montré des stats agressives, toujours des cheese, banning buzz, 12 pulls, deux reprises. Et il s'est fait marcher dessus par stat, quoi. C'est la supériorité de stat. Et la Fian, bien sûr, la Fian. Vous le savez. Scriné, attention. La Fian le. Y'a Fian. La Fian le. Comme quoi, même en GSL, ils ont Yata. Yeah. Oh. Non, je rigole. Peu. Je rigole, Fian. La Fian. Ça sera voilà, plus tard. Attends, on cherche l'erreur maintenant. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, ça a l'air. C'est les bons sur. Et au passage, je vous dis un petit truc, je vais le retweeter là. Vas-y. Mais si vous intéressez à StarCraft et à la scène internationale, et en fait, InControl a publié 3 vidéos. Vraiment très très intéressant. 3 vidéos d'une heure, hein. Donc faut avoir 3 heures, il faut parler anglais. Mais donc InControl, donc joueur émérite américain, Evil Genius, il y a fait 4 ans, caster anglais, a publié des vidéos où franchement, il raconte sa perception de la scène StarCraft et la vie chez Evil Genius, tous les recrutements, Jedong, il y avait Stefano, Hydra, etc. Et c'est vraiment passionnant, le rachat de Evil Genius par Twitch, par Amazon, etc. Donc si, je vais les retweeter, donc Tude au Gaming. Mais n'hésitez pas à checker, moi je les ai regardés et c'est vraiment super intéressant si vous voulez regarder, vous renseigner sur la scène SC2. Et ben voilà, moi on va faire trouver 3 heures, c'est le truc. Par chance j'habite encore pas loin, donc je peux pas dire, je vais regarder. Non mais sinon tu mets un stream, vu que t'as 2 écrans... Ouais, mais je. Tu mets un stream et tu mets la vidéo, quoi. Non? Ah, mais j'ai pas de temps, je regarde le stream, hein, justement. Ok. Voilà, on trouvera bien 3 heures d'ici le prochain mois. En tout cas, voilà, merci d'avoir été là, merci à nos partenaires, Asus, Republic of Gamer, côté d'Intel, la Fnac et Twitch, bien sûr. Voilà,
permet de récupérer les droits de la GSL comme vous. Ouais, toujours aussi nombreux. Bien sûr, à sub, n'hésitez pas à soutenir. Soutenir comme d'habitude pour qu'on puisse obtenir les droits, pour qu'on puisse relancer des compétitions comme les Underdogs. 1000 euros tous les mois, 1000 euros pour les Français. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ouais, carrément. C'est en faisant vivre un peu tout le monde et voilà. Donc merci d'avoir été nombreux à nous suivre. On vous dit à demain pour la suite des programmes. On lance les rediffs. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.